احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، وان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين. ثم اما بعد، chers frères, chers sœurs, salam alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la bénédiction soit sur vous et qu'on fasse tous partie, inshallah, des gens du paradis. Que la baraka soit également sur les organisateurs. Aujourd'hui, l'image de l'islam est reflétée par ce genre de rencontre dans laquelle vous vous trouvez tous aujourd'hui, ici même. Le sujet de notre rencontre, l'islam et l'homme, Allah subhanahu wa ta'ala a créé la création. Il a créé l'homme et lui a donné toute sa valeur et toute sa splendeur. En 1948, l'être humain a voulu établir ce qu'on appelle la Déclaration des droits de l'homme, avec un certain nombre d'articles, et c'est aux Nations Unies que 30 articles vont constituer ce qu'on appelle la Déclaration des droits de l'homme. La France qui accueille aujourd'hui, ici même au Bourget à Paris, cette rencontre depuis des années, la France est le pays aussi qui lève un slogan et qui a participé à la Déclaration des droits de l'homme, slogan qui s'appelle « Liberté, égalité, fraternité ». C'est très beau. L'islam et les droits de l'homme, ou plutôt l'islam et l'homme, le thème d'aujourd'hui, sur cette terre qui a fait l'affirmation même de ces principes, autant à travers du slogan que nous venons de citer, qu'à travers sa participation en tant que terre d'asile à cette Déclaration des droits de l'homme. Mais je voudrais dire que cette égalité, quels que soient les outils qui sont établis pour l'affirmer, il y a plus d'un demi-siècle, je reviens à l'origine de l'islam et de la manière dont l'islam va mettre en valeur justement cette valeur qu'il donne et qu'il accorde à l'homme et à l'humanité. Il le fait à travers le fait de ne pas croire en une seule religion, mais de mettre en valeur tous les envoyés et toutes les religions. Regardez la place qu'il accorde aux cheikh et aux précurseurs de Bani Israël, à savoir Moussa alayhi salam, à travers le fait de faire de la Torah l'un des livres qui est cité dans le Coran. Et un musulman ne peut être musulman s'il ne croit pas en Moussa alayhi salam et s'il ne croit pas à la Taurat comme étant un livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez la place qu'il accorde à Isa alayhi salam, Jésus, qui est le souffle divin qu'il a accordé à Maryam al-Adra. Et regardez comment l'évangile, l'injil, c'est la parole de Dieu. Et un musulman n'est pas musulman s'il n'affirme pas, et si cela ne fait pas partie fondamentalement de sa foi, que l'évangile est la parole de Dieu. Le Coran va donc établir des principes qui fait que une des plus belles sourates du Coran, qui est Surat Maryam, le nom qu'elle porte n'est pas le nom d'une musulmane de l'ère du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais le nom qui lui est donné, c'est le nom de la porteuse de Isa alayhi salam, cette femme qu'Allah subhanahu wa ta'ala a sélectionnée et a élue parmi les femmes de l'humanité. Regardez comment ce beau surat de la fin de surat al-Baqarah vient dire « Le prophète a eu foi en ce qui lui a été révélé et les croyants, nous n'établissons point de distinction entre ses envoyés. » Et regardez comment l'islam donc vient mettre ces principes qui sont fondamentaux et qui sont ceux de point de distinction entre un noir et un blanc, si ce n'est par une seule valeur qui est la valeur de taqwa. Allah subhanahu wa ta'ala nous a révélé cette religion, l'islam, pour garantir à l'homme les droits élémentaires qui sont les siens, à savoir la liberté d'expression, la liberté, le droit de vivre, la liberté de conviction. Et par rapport à cela, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, et nous sommes, soit nous, soit vous, sur la guidance ou dans un égarement évident. Il parle avec l'interlocuteur qui ne partage pas notre foi comme étant, nous sommes sur l'égarement où vous êtes sur l'égarement, c'est-à-dire qu'on s'inclut dans un dialogue d'égal à égal avec l'interlocuteur. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans un autre verset coranique, il dit, vous n'allez pas être questionnés sur ce que nous commettrons comme crime, sur ce que nous commettrons comme faute, et vous aussi, nous n'allons pas être questionnés sur ce que vous faites. Et vous voyez ici le respect dans le dialogue que l'islam enjoint à ses disciples à respecter envers celui qui ne
partage pas notre conviction. L'islam a une vision qui est la sienne aussi vis-à-vis de l'être humain. Et à tous les niveaux, nous allons remarquer que la position de l'islam vis-à-vis de la femme est une position de respect et d'honorification. Allah subhanahu wa ta'ala a d'abord cité la femme avant de citer l'homme dans le Coran en disant « Il donne à qui il veut des filles et il donne à qui il veut des garçons. » Il a commencé par la naissance des filles et il l'a devancé à celui de la naissance des garçons. Et dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala a dit que les femmes ont de droit la même chose qu'ils ont comme devoir qui leur incombe. Ce qui veut dire qu'il a commencé par parler des droits des femmes avant de parler des devoirs qu'elles doivent, dont elles doivent s'acquitter. Et vous voyez que trois versets, trois sourates du Coran sont nommés, sont titrés par des titres de femmes. La sourate, la longue sourate, les femmes, An-Nisa, qui relate les droits de la femme. La sourate Marie, qui parle de cette femme pieuse, honorée. Cette femme qui est proche d'Allah subhanahu wa ta'ala, cette femme qui est honorée dans la religion musulmane. Et dans une autre sourate, il a parlé du divorce pour garantir et codifier les droits et les codifications qui doivent s'imposer quant aux droits de la femme concernant le divorce. Et vous voyez très bien qu'il n'y a pas de sourate qui s'intitule les hommes. Aussi, l'islam est venu. Ça, c'est un regard de prime abord. Mais aussi, nous remarquons qu'après son mariage, la femme a des droits qui sont inaliénables et qu'on ne peut transgresser. À savoir, le droit de cette femme-là auprès de son époux de lui faciliter les tâches ménagères. ولعل سأضيف أيها الشيخ أنه من واجبه إن كانت متعودة على غسالة أوتوماتيكية أن يشتري لها نفس الغسالة. Et je viens dire que si cette femme-là est dans un contexte qui est aisé, elle est habituée à avoir un lave-linge, un lave-vaisselle, eh bien s'il a les moyens, il est de son devoir de lui dispenser toutes les facilités pour qu'elle s'acquitte de tout ce qu'il faut chez elle facilement. L'imam Ash-Shafi'i, par rapport à cela, a dit que l'homme a le devoir d'acheter à sa femme les produits cosmétiques avec lesquels elles seront belles pour lui. Et là, il souligne qu'elles seront belles pour son mari, et c'est à lui d'acheter. Aussi, l'islam prescrit que c'est à lui d'assurer les tâches les plus lourdes, c'est à lui de moudre les grains, c'est à lui de faire le pétrissage de la pâte, et c'est à lui de faire le pain. Ça, ce sont des tâches qui sont confiées aux hommes, et il a peur qu'après il y aurait une émeute dans les demeures, et que les femmes se mettent à demander à leur mari de faire le pain, de se mettre à faire le pétrissage de la pâte. Et il nous rappelle que si la femme le fait, c'est un honneur pour elle et c'est une récompense de plus qui lui vient de droit. Aussi, l'islam a respecté la propriété matérielle de la femme et son indépendance matérielle. Il n'a pas le droit de lui demander son argent, de lui demander d'où est-ce qu'elle vient avec ses biens, de lui demander son héritage, de lui demander ses actions. Il n'a pas le droit de lui demander cela, mais il lui vient comme devoir de s'acquitter de tout ce qu'il faut pour justement honorer et défendre.